normalement, on ne se ravit pas. On ne se ravit pas? Ah, d'accord. Normalement, non. Ça te fait mal, non? Non. Non. Toi, redescends le couteau. Toi, rien ne t'empêche, ce que je veux dire, c'est ça. Si tu te mets, comme tout à l'heure, quand tu as pris le couteau, tu étais là, hein. Le couteau, il est là, tu mets ton pied là, ok. Donc, tu es à bonne distance pour le prendre, hein. Mais là, tu vas aller chercher le bâton. Quand tu vas reposer, si tu te mets dans la même position, tu es obligé de te pencher plus. Tu es mal positionné. Ben, je sais pas. Oui. Rien ne t'empêche quand tu arrives là. Un petit pas de rajustement. Regarde, mon couteau, je repose. Mon pied, il est là. Hein? Ce qui fait que je prends mon bâton. Et le bâton, la façon, c'est. Pronation, supination. Voilà. Tu prends comme ça. Tu le lèves et après tu le. Et à chaque technique, ça va toujours être comme ça. Et lui, il va prendre de la même façon. Donc, ici. D'accord. Moi, c'est un petit détail que. Bon, c'est joli. On peut rien dire. Mais, tu vois, le fait, hein, si tu es là, eh ben, bon, pour prendre le couteau, ça va. Mais après, pour prendre le bâton, tu es obligé de. Donc, vaut mieux. Se rajuster. Bah oui. On peut rien dire. Enfin, c'est mon avis. Ça, après. Mais dans le règlement, il n'y a rien qui le dit, ça. Mais c'est vrai que ça fait plus joli. On prend la forme de corps, on est plus gainé. Et, bah oui, là, tu vois, tu peux te baisser facilement. Voilà, et puis on reste... Bah oui, voilà. Tu vois, hop, après tu recules. Ah. Et t'avances. Là, on est... Hey, garde-le, hein, comprends-le, hein. Recommence. Ah ouais. Non, je comprends. Hey. Ah, lâche. Ouais, ouais, oui, là c'est bon. Mais ce que je veux, relève-toi. Toi, tu es déjà reste dans ton secteur. Lui aussi, il est dans son secteur. Au moment qu'il va attaquer. Ah oui, parce que là, juste mon bonjour. Et quand il vient frapper, ici, je pousse. Là, il est déséquilibré. Je pousse, il est déséquilibré. Et là, je te fais au sous-tour. Mm-hmm. Et je viens coller. Donc, c'est pas le potentiel. Hein. Mais ne continue pas à pousser, tu maintiens ton lui. Voilà, hop, passe la main. Voilà. Toi, ta jambe, elle doit être droite. Tu as tendance à aller par là. La jambe, elle est là comme ça. Celle-ci. La jambe d'appui. Toi, quand il vient ici, voilà. Quand il va reculer, ici. Avant, droit, bien. D'accord. Toi, ici, là. Et après, tu vas engager. Et là. Oh, pardon. Sujet. Hein? D'accord. Tu vois? D'accord. Il faut chercher à avoir du contact. D'accord. Mais ma jambe. Arrête, ouais, j'ai tendance à tourner mon pied là-dessus. Ici, toi, tu fais ça. Oui. Bah. D'accord. Moi, j'ai tendance à tourner mon pied. Oui. Ah, je me sens vraiment fixé. Ah, bah oui. Je suis complètement. Écarte. Hey, voilà. Et avance. Et maintenant, poche. Voilà. Paul, il est bien. Hein, Paul? Ouais. Hein? À part la jambe à la fin, qui a tendance à plier sa jambe. Ouais. Mais la forme, elle est bonne. Toi, tu t'enlèves. Toi,
toi, d'accord? Non, non, recule. Ça devient que le chic. Voilà, ce qui fait qu'il peut se relever. D'accord, ça est trop bien. Oui, recommence, recommence. Mais tu vas dans moi, hein. Tu vois, oui. Ici, bah, comme ça, les mains, et après, hop. Et ta jambe plus ferme à la fin, quand t'as projeté. Voilà, plus ferme. Mais peut-être passer, baisse pas ton corps. C'est le haut du corps qui vient. Ne continue pas à pousser. Tu vois, quand tu l'as fait, bah, voilà. Ça. D'accord. Et sur l'avant du pied. Le truc, c'est Patrick qui a souvent le pouce serré. Ah, si tu mets ta main comme ça, tu te bloques. Voilà, colle. Maintenant, le pied est bon. Sans tomber, c'est pas la peine de le faire trop fort. Tu vois, il est bon. Mais recule. Remets-toi un peu plus de distance, même encore un mètre. Voilà, et là, hop. Voilà. Tu vois, et tourne. Et la suivante. Arrête-toi. Non. Ah bah, de toute façon, il va y avoir des changements aussi. Ici, je m'arrête, tu vois. Et là, regarde bien, l'intérieur dégagé. Tu vois, tu prends le petit en arrière, tu y vas. Comme le couteau, comme... Et pareil, voilà. Pareil, comme ça. Voilà. Mais il ne faut pas rester 10 ans. Hein. C'est un peu. Et tu vas, tu commences à tirer droite. Ici. Non. Tu vois. C'est pour ça que quand je... Et la première technique, quand on est tout prêt, je recule pour venir. Mais recule. Parce que... Recule. Voilà. Ce que je veux faire, c'est ça. Tu vois? C'est ça que je veux faire. Que d'une main. Donc au moment que je veux faire ça, lui, il faut qu'il m'emporte. Mais à aucun moment, toi, tu dois être comme ça. Hein? C'est à ce moment-là qu'on voit qu'il est déséquilibré. Mais au départ, toi... Tu lèves pour frapper, hein, pour vouloir faire ça. La deuxième, c'est ici, tu avances, tu t'arrêtes. Et toi, je ne mets pas comme ça. Je prends, je saisis, et maintenant, je peux attaquer. Et comme tout à l'heure, ici, je prends, préparation, et j'attaque. Il y a mise en garde. Voilà. Mise en garde et après. Voilà.